Beaucoup de joie, ce n'est qu'un match nul, mais c'est un bon point, évidemment. Je pense qu'on aurait pu l'emporter. On a fait le match qu'on voulait faire tactiquement. C'est bien parce qu'on a retrouvé, je dirais, une bonne équipe, une équipe solide. Ils marquent deux buts, mais on concède très peu d'occasions. On a des situations pour gagner, tout simplement. Après, dans la situation où on est, c'est vrai que c'est un bon point. Dans un derby, un match où il faut garder ses nerfs. Et, ouais, globalement satisfait. On regrette simplement que la frappe d'Anthony Modeste ne soit pas descendue 5 cm plus bas. Il est important d'arrêter cette hémorragie de 4 défaites. C'est toujours important, évidemment. Évidemment, mais... Il faut avancer, quel que soit le résultat. On est un promu, les promus, c'est souvent cyclique. Il y a des cycles hauts où il faut tout mettre en œuvre pour que ça reste longtemps. Il y a des cycles bas dans lesquels on est encore, où il faut savoir faire front et savoir que la saison sera très très longue et qu'il y aura beaucoup de matchs. Et je pense que c'est l'enseignement qu'on peut tirer. On a connu des défaites très cruelles avec des gros écarts de score. Ce soir, on ramène un bon point et l'enseignement, c'est qu'il faut toujours faire face. Les joueurs ont fait face dans une situation pas facile. Je pense que la victoire en Coupe de la Ligue mercredi nous a fait du bien mentalement. Voilà, et ce soir, on fait un gros match. L'essentiel est là, je dirais, les fondamentaux sont là dans notre envie, dans le jeu qu'on pratique. Mais il faut aller sur les détails qui sont très importants. Et je pense que voilà, si on continue dans cet état d'esprit-là, ce genre de match nul se transformera très vite en victoire. Encore une fois, et c'est bien de ramener un point dans de telles conditions. C'est un regret qu'on peut avoir parce qu'en première mi-temps, on maîtrise assez bien. Et, bon, c'est un constat, c'est dommage, mais justement, le fait d'encore avoir été mené au score et de ramener un point, c'est encore plus valorisant. Pourquoi il y avait pénalty sur la Oulida ou... Toi, Filou est convaincu qu'il y avait pénalty. Voilà, si toi, Filou le dit. Non, mais bon, lui, non, mais vraiment convaincu, ça, je peux pas... Je pense que oui, évidemment, mais... C'est un point pour vos supporters, coach ? Ouais, bien sûr, c'est... Je veux pas rentrer dans ce débat-là, il y a cette personne qui... Moi, je suis concentré sur le jeu, on regrette de ne pas pouvoir faire de match avec nos supporters. Bon, là, je veux pas en rajouter... On a pensé à eux très fort pendant le match, on pensait à la fin du match, je pense qu'à Bastia et en Corse, beaucoup de monde nous ont soutenus. Voilà, on est content pour tout le monde de ramener ce point de Nice. Malgré tout, vous pensez que l'ambiance a pesé un petit peu sur la rencontre ? Mais une ambiance pèse toujours sur la rencontre. Je crois qu'on est à Nice, les supporters de Nice soutiennent leur équipe. C'est aussi, c'est une bonne question quelque part, parce que ça permet de valoriser encore plus ce point avec certains joueurs qui découvrent ce genre d'ambiance. Et je trouve qu'on est resté très lucide. Il y a eu beaucoup de tension tout au long du match. Ça a été un match engagé. Et on a su faire face à ça aussi. Et c'est, à ce niveau-là aussi, c'est une expérience importante pour beaucoup de joueurs. Ouais, c'est bien d'avoir arrêté cette spirale de défaite, mais bon, la route est encore longue. Ouais, des deux côtés, je trouve. On a eu des situations intéressantes, mais il n'y a pas eu d'occasion très très franche. Mais enfin, il y a 4 buts quand même. Voilà, ça veut dire qu'on est capable d'être, même en étant dans des intentions collectives de replacement et en mettant la priorité là-dessus, et c'était une nécessité dans notre période, on est aussi capable de se créer des occasions. Je regrette que dans les zones 50-30 mètres, notamment en première mi-temps, on n'ait pas fait preuve de plus de lucidité pour regarder un peu plus le ballon. On a eu de très bonnes situations dans ces zones de jeu-là qu'on n'a pas su exploiter par précipitation un peu. Voilà, c'est des choses qu'on devra revoir ensemble pour l'améliorer. Ça va ? Merci beaucoup. Oui, c'est moins qu'on puisse dire. Oui, on n'a pas su... On n'a pas su avoir la lucidité nécessaire et la concentration nécessaire pour prendre les 3 points ce soir. Chaque fois, on a ouvert la marque, chaque fois, on s'est fait remonter au score. Mais dans l'ensemble, même si c'est frustrant, puisque je crois qu'il y a deux buts sur coup de pied arrêté sans concéder pratiquement d'occasion, mais
Mais je pense qu'on n'a pas fait un bon match ce soir avec une première mi-temps insuffisante de notre part. Et deuxième prise sur meilleur tempo, on refait la différence et puis on se fait punir sur une des rares incursions bastiennes sur corner. Et voilà, je pense qu'on n'a pas eu ce soir la maîtrise nécessaire pour prendre les trois points. Donc on va s'en contenter malheureusement. La maîtrise et la rigueur peut-être aussi suffisante. Maîtrise et rigueur, oui. C'est vrai que on n'était pas bien ce soir. C'est vrai qu'il faut être en capacité de prendre, même dans ces conditions, savoir prendre les trois points qui s'offraient à nous. Ça n'a pas été le cas, donc on va digérer ça cette semaine et continuer à bosser. De toute façon, il n'y a pas le choix, mais c'est vrai que ce soir, on était assez loin de ce qu'on est capable de faire. Techniquement, qu'est-ce qu'il y a manqué ? J'ai dit, il nous a manqué de la maîtrise toute la première mi-temps. Et on était brouillon dans notre jeu, beaucoup de déchets en première mi-temps sur nos intentions. Et pourtant, il y avait, je pense, de la place, il y avait de quoi faire, mais on n'a pas su profiter ce soir. On n'était pas bien, tout simplement. Et